Le plateau de Touche pas à mon poste est bien souvent le théâtre de débordements. Ce jeudi, pour lancer l'émission, Cyril Hanouna a eu la curieuse idée de proposer à ses chroniqueurs d'égratigner le collègue de leur choix. Un jeu qui avait peu de chances de se dérouler dans la joie et la bonne humeur, comme l'a rapidement démontré Jean-Michel Maire. Le chroniqueur avait choisi de s'attaquer à Gilles Verdet, qui fait rarement l'unanimité dans l'équipe en raison de ses propos frondeurs. Oui mais voilà, au lieu d'opter pour la délicatesse, ce dernier s'est montré d'humeur plus ordurière. J'adore Gilles Verdet, commence Jean-Michel Maire, avant d'ajouter. Mais je pourrais lui pisser dans la gueule tous les jours. Une déclaration à laquelle ne s'attendait visiblement pas Cyril Hanouna, qui a alors lancé à son collègue, tu sors. Punition réservée aux chroniqueurs dont les propos dépassent l'entendement, note de la rédaction. Mais quand il parle, quand il débat, pas dans la vie, s'est défendu Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire, toujours en couple? Si Jean-Michel Maire se montre parfois entreprenant avec l'agent féminine, il partage depuis plusieurs années la vie d'une femme dont il ne souhaite pas révéler l'identité. Je suis en couple, fidèle et très amoureux. Si est-il une histoire qui s'est écrite sur une dizaine d'années. Si est-il la femme que j'aime, révélait-il à Jordan de Luxe en décembre 2022. En début d'année, le journaliste a franchi un nouveau cap avec sa compagne, en la suivant dans le sud de la France, à Sainte-Maxime. On a pris un appartement à deux. Je suis très heureux, confiait Jean-Michel dans TPMP le 6 janvier dernier.